Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Jehan Flemme Koun, ou tout simplement celui qu'on appelle toujours Koun, qui est probablement le meilleur support actuel du jeu. C'est un personnage extrêmement intéressant, tout simplement parce qu'il a la capacité de faire revenir à la vie vos alliés. Alors, c'est un personnage qui a des stats incroyables au niveau de l'attaque, mais vous allez voir que en termes de dégâts infligés, c'est pas aussi impressionnant qu'on pourrait le croire. Donc, il y a 25 600 d'attaque, c'est le la deuxième meilleure attaque du jeu avec Machiavelli, si je dis pas de bêtises. Donc, les Kuns font beaucoup de dégâts, hein. Les Kuns ont vraiment beaucoup d'attaques. La défense 532, c'est vraiment pas élevé, c'est même relativement faible pour un perso SS. Donc, il n'est pas très très résistant. Et pareil, au niveau des HP, on est en dessous des 115 000. Donc, voilà, il reste un peu squishy. Néanmoins, c'est un support. Donc, son but n'est pas d'être en front lane, mais en back lane. Donc, on comprend qu'il est un petit peu moins de stats. Et sa speed, pareil, elle est un petit peu faible. Mais on veut pas le voir jouer en premier. Donc, c'est pas grave. On veut surtout le voir jouer en 2, 3 ou 4ème. Mais jamais premier en général. À moins de vouloir utiliser son skill 3. Alors, on va faire une revue de ses sorts. Mais avant de parler de ça, on va parler du fait qu'il soit feu et élément. Feu, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que il combo vraiment très très bien avec. Avec Machiavelli qui est également de l'élément feu et qui va jouer avec des brûlures tout comme Kuhn, donc il forme un super combo. Et en troisième personnage, ce que je vous conseillerais d'avoir avec ces deux-là, c'est est-ce que je vais me la trouver ici parce que je ne l'ai pas encore débloqué? Waryun qui est également de l'élément feu et avec son passif et son effet, je l'ai vu, voilà, avec son passif, elle va booster les dégâts crit des alliés d'éléments feu. Donc voilà, donc les trois personnages là sont très bons en équipe, ils combo très bien, ils ont beaucoup d'attaques, surtout Machiavelli et Flamethrower, qui sont donc les deux plus gros stats d'attaque du jeu. En termes de sort, son premier sort est intéressant. Vous commencez à 50%, mais niveau 5, vous arrivez à 70% d'attaque. Et ça fait donc une AOE sur tous les ennemis. Et ça booste de 30% l'attaque, l'allié qui a le plus d'attaque de votre équipe pendant 2 tours. Alors, il faut faire attention à ce sort-là parce que c'est un sort qui est intéressant. Mais intéressant si vous boostez un autre allié que Flame Kun. Parce que Flame Kun, il a beaucoup d'attaque, mais comme vous voyez, 70% d'attaque, c'est pas beaucoup. Et pareil pour son deuxième skill, c'est 120%, c'est pas énorme non plus. Donc c'est pas forcément le meilleur personnage à booster en termes d'attaque, mais si jamais vous l'avez monté en tant que personnage principal et vous avez un stuff incroyable, à ce moment-là ça peut être intéressant de jouer le 1, mais sinon il faut que le 1 puisse aller chercher votre damage dealer principal, donc essayez de faire attention à l'attaque que votre Flame Kun a. Ensuite, son deuxième skill, le skill qui est le plus intéressant, le plus utilisé du jeu, et vous allez voir pourquoi grâce à son passif, booste tous les alliés de 10% d'attaque, et ça se stack jusqu'à 30%, et attaque tous les ennemis en infligeant 120% d'attaque, et ça génère 3 brûlures au total, infligeant donc 30% de dégâts pendant 2 tours. C'est extrêmement fort comme sort. Alors vous allez voir que là c'est écrit 10%, mais quand vous commencez avec le personnage, donc moi je vais vous montrer le mien, ce n'est pas 10%. Et c'est ce qui fait que le personnage change du tout au tout quand vous allez monter le sort niveau 5, c'est que vous passez d'un sort, le mien niveau 3, passez d'un sort qui va booster de 10% avec un stack jusqu'à 25, à un stack de 30% avec un boost de 10%. Donc en gros, 3 attaques suffiront à monter au max, alors que là il m'en faut 5, donc c'est beaucoup plus long en termes de DPS et c'est vraiment important, surtout qu'on a beaucoup de missions qui demandent d'avoir de terminer tout en 3 tours. Donc si vous pouvez booster au maximum avec ce skill en 3 tours, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, si vous voulez monter un sort, c'est vraiment ce sort-là à prioriser. Ça demande des Miraculous Firestone et également des super Miraculous Firestone. Donc voilà, il va falloir les farmer à fond. Et vous allez voir qu'on passe donc on commence à 100% d'attaque avec un boost de 5% et stack de 20. Et on arrive à un boost de 30% avec un stack de 10 par 10 en infligeant 120%. Et en plus de ça, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, vous gagnez une brûlure supplémentaire posée. Donc on passe de 2 brûlures à 3 brûlures et on passe de 5 à 10%. Donc voilà, en gros, quand vous passez le sort niveau 5, ça change absolument totalement le personnage. Ça paraît pas énorme comme ça, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous jouez le personnage, vous allez vous rendre compte à quel point c'est fort. Ça rajoute 50% de dégâts, ça rajoute 5% de dégâts à chaque stack, donc c'est extrêmement fort.
On va revenir directement donc sur le sort 2 qui n'a pas encore fini d'être observé jusqu'au bout puisque le passif du personnage proc quand vous allez utiliser le sort 2. D'accord? Quand vous utilisez le sort 2, vous allez raise un allié qui a été éliminé et ça le ramène à 100% de ses HP. 100%. Donc en gros, c'est un heal de 100% sur un ennemi, un allié qui est mort. Donc c'est extrêmement fort et en plus ça combo avec beaucoup de personnages, que ce soit Elayne, qui lorsque vous avez un allié ou un ennemi qui meurt, proc son passif et donc met des saignements. Si vous avez un allié qui meurt, vous allez pouvoir le raise et donc vous allez profiter du passif de Elayne par exemple et garder votre personnage en vie. Ça donne énormément de survie à votre team. Si jamais votre tank tombe, vous pouvez le remettre à la vie à 100% de ses points de vie. Vous avez Kaiser à l'heure actuelle qui est extrêmement difficile à tomber. Si vous êtes content en PvP d'avoir tombé et que vous avez de l'avoir tombé et que Kuhn la ramène à la vie, c'est un enfer. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant et comme si ça ne suffisait pas, si jamais lui il meurt, il se raise également. D'accord? Donc en gros, il a deux raises. Il a un raise automatique, donc s'il meurt, il revient à 100% de ses points de vie, qui proc également le passif d'Hélène. Et il peut raise un allié, pas de votre choix, de mémoire, c'est le premier ou le dernier qui est mort. Non, je crois que c'est le premier qui est mort qui revient à la vie. Donc voilà, ça n'arrive évidemment qu'une seule fois par combat, donc vous pouvez pas le faire à l'infini. Mais c'est vraiment important, et en plus il a le Isolated pendant un tour, qui donc lui permet, si je dis pas de bêtises, d'éviter de se faire one shot. Donc voilà, ça en plus de son boost d'attaque, HP boost et speed boost, ça le rend vraiment intéressant. C'est un personnage qui a vraiment une utilité partout. Hein. Raise un allié, c'est toujours utile. Si jamais vous avez une team full DPS, il est évidemment très intéressant parce qu'il booste énormément l'attaque. Et si jamais vous avez besoin de crit, vous allez pouvoir utiliser son skill 3. Son skill 3 est encore une AoE, donc toutes ses attaques sont des AoE. Donc ça inflige des dégâts à tout le monde. Donc si jamais vous voulez augmenter ces dégâts, vous prenez évidemment des reliques spécialisées sur les dégâts d'AoE. Donc son troisième skill fait 140% d'attaque sur tout le monde, réduit la speed des adversaires pendant le tour de 100%. Donc ça va être vraiment bien pour pouvoir jouer avant l'adversaire et donc mettre des stuns, mettre des debuffs ou one shot un adversaire qui allait vous défoncer. Donc ça c'est vachement cool. Et en plus de ça, tous les alliés ont un crit obligatoire à la prochaine attaque. Pourquoi c'est hyper intéressant? Ça veut dire que ça ne monte pas la stat à 100% de chance de crit, ça donne un crit obligatoire. Donc déjà, c'est la prochaine attaque et pas pendant le tour. Donc vous pouvez lancer ça en dernier sort et au tour d'après tout le monde lance un crit. Donc ça c'est déjà bien. Vous avez un personnage qui réduit à 0% votre chance de crit qui est Endorsi, pardon. Ça ne counter pas cette attaque. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 0% chance de crit, si vous avez le proc de ce skill-là, vous allez crit quand même. Donc c'est hyper intéressant et c'est très difficile à counter. Et vous avez des personnages qui font des effets supplémentaires avec des crits. Donc c'est hyper important comme sort. C'est pour ça que Flamecoon peut être très intéressant, notamment en PvP, à mettre en troisième position pour faire proc ça. Et en PvE, je trouve que c'est plus intéressant de jouer avec ces deux skills-là. Le troisième est peut-être un petit peu trop manavant pour pouvoir être joué aussi facilement. Ça, c'était pour les skills. On a fait le tour. C'est un personnage qui est polyvalent partout. Mais comme je vous dis, avec Elayne, il marche vachement bien. Pour vous rappeler un petit peu le passif d'Elayne, quand quelqu'un meurt, elle va poser combien? 3 saignements sur tous les ennemis. Donc si c'est un allié ou un ennemi, peu importe, elle pose 3 saignements. Donc si vous mourrez et revenez à la vie et remourrez, vous aurez posé 6 saignements. Et si vous avez raise un pote en plus de ça, vous aurez posé 9 saignements avec simplement deux personnages qui sont morts. Donc c'est hyper fort en combo avec ce personnage-là. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui viendront à l'avenir qui vont jouer sur la mort des personnages. C'est pour ça que Flamecoon sera également intéressant. Et vu qu'il pose des burns avec son skill 2, génère 3 burns avec son skill 2, ça combo également très bien avec des teams debuffs et dots, donc notamment avec Kaycee qui va donc prolonger les debuffs du personnage. En ce qui concerne son build, alors vu que c'est un personnage qui a énormément d'attaque et très peu de sustain, en dehors de son raise hein, qui est très intéressant, mais il va prendre beaucoup de dégâts, hein, il a peu de stats, hein, moi je lui ai mis la relique Protection Offline. Ça régénère 35% de l'attaque du personnage au début du tour. Comme c'est le deuxième perso qui a le plus d'attaque,
la régène est vraiment très élevée pour ce perso. Donc pour moi c'est une relique très intéressante si jamais vous avez besoin de résistance dans votre équipe et que vous n'avez pas de personnages qui vont booster la défense ou donner du shield, etc. C'est vraiment intéressant et ça va permettre de rester un petit peu plus longtemps en vie. Parce que si c'est le premier à mourir, bah, vous ne pourrez pas raise un allié, ça c'est dommage. Et je lui ai également mis un skill d'attaque en AOE. Donc 15% de dégâts supplémentaires quand vous attaquez tous les adversaires, donc les AOE. Ça ne marche pas sur les skills qui font attaque deux personnes. C'est pas tout le monde, c'est deux personnes, donc ça ne marche pas. Mais pour Kun, ça marche sur toutes ses attaques, donc pour moi c'est quasiment obligatoire. Vous pouvez aussi utiliser la relique que moi j'ai mis sur Mira, celle-ci, qui va augmenter le pourcentage d'attaque à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un. Comme toutes vos attaques sont des AOE, vous allez toujours proc sur 3 personnages au minimum la relique, et du coup vous allez monter rapidement en pourcentage. Néanmoins, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des dégâts supplémentaires de base sur ces premières attaques, plutôt qu'augmenter l'attaque au fur et à mesure. Mais c'est également intéressant d'avoir ça si jamais vous voulez booster les dégâts des brûlures. Donc voilà, c'est un choix, mais moi je l'aime bien aussi sur Mira, donc je préfère l'avoir sur Mira et mettre celui-ci, le pendentif du roi gobelin, sur Kun. En termes de stuff, alors il y a plein de stuff possibles. Soit vous faites un build résistance, comme ça va être un support qui va rester en vie, qui va pouvoir booster en permanence vos alliés et qui va pouvoir raise tout simplement les alliés qui meurent, mais les dégâts seront pas du tout prioritaires. Soit vous allez build un petit peu plus attaque, comme moi j'ai fait, ou vous allez essayer de monter l'attaque de votre perso pour justement bah, augmenter les dégâts et le permettre de rester plus longtemps en vie grâce à cette relique là. Donc après c'est une question de choix, plus il y a d'attaque, plus cette relique là est puissante. Soit vous pouvez le build crit, si vous utilisez très peu le skill 3, et bah, il va avoir besoin de chances de crit. Mais n'oubliez pas qu'il pose également des brûlures, donc les chances de crit sont un petit peu moins importantes que les dégâts d'attaque. C'est pour ça que moi je vais mettre une priorité sur un build damage plutôt qu'un build de destruction. Après, si vous avez de fortes chances de crit, là vous allez vraiment tout défoncer avec ce personnage-là. Il faut faire attention, certains combats, notamment en PvE, vont être très très punitifs sur les attaques en zone. Et c'est un des personnages qui m'a posé le plus de problèmes, justement parce que bah, toutes ces attaques sont des attaques en zone, donc j'étais obligé de l'enlever de mon équipe, sinon je ne pouvais pas passer la salle. Donc voilà, faites attention, certaines fois vous allez avoir des soucis là-dessus en PvE, notamment dans la tour, ou peut-être contre des boss en particulier. Donc faites bien attention à ça, vu que vous n'avez pas le choix entre une attaque single target et attaque en AOE. Parfois ça peut vous poser un problème. Voilà, dans l'idée c'est tout. En termes de team, moi je vous dis avec Hélène ça marche très bien avec tout le monde, ça marche très bien en PvP également. Et ça marche très bien avec Machiney aussi, puisque c'est le combo de double brûlure, plus le fait que c'est des éléments feu. Je ne l'ai pas encore monté à fond non plus, vous voyez, il reste encore de l'attaque que je peux aller chercher, il a également du skill damage un petit peu partout, même des chances de crit ici et là qui seront importantes à aller chercher. Il a plus de 10% de chances de crit en tout, il en est à combien? Il a 13% de chances de crit de base dans son arbre, donc c'est hyper important. Et surtout, vous avez également, non c'est là qu'il faut que je clique, chances de crit également là-dessus pour les types éléments. Donc si vous avez d'autres types éléments, ça va pouvoir leur booster également. Donc c'est vraiment pas mal comme personnage. Moi je vous conseille donc comme d'habitude d'abord aller chercher les passifs. D'accord? Le premier passif, c'est la première chose que vous allez chercher. Si jamais vous venez de commencer le jeu, ce passif-là va vraiment vous carry la game parce que c'est un heal de 100% en fait tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez ces deux-là, vous allez chercher les reliques qui sont un petit peu moins importants. Et bien sûr, les reliques sont prioritaires avant d'aller chercher tout le reste ici qui est beaucoup moins intéressant. Sauf si vous en avez plein, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce personnage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez pour Kun. Il n'y a pas de skill X sur celui-là, et tant mieux, parce qu'il n'a pas la place d'avoir un skill X, tellement il utilise le reste de ses sorts. Moi, je vais continuer de faire ce focus sur les personnages. Le prochain, je ne sais pas encore qui ce sera, je vous en parle très bientôt. On se laisse pour cette vidéo. Passez une très bonne journée, salut tout le monde, ciao!